Au milieu de nulle part, perdu quelque part ici en Corée du Sud, dans un pays qui est en guerre. Dong-dong. Hamzamida. Ça a dû lui prendre beaucoup de temps pour faire tout ça. Je sais même pas où aller. C'est fou qu'il y ait personne comme ça. Ça change des grandes villes, hein. Dans la campagne coréenne, c'est un village abandonné, quoi. On est au cœur du peuple, hein. On peut pas être plus en Corée qu'en Corée. Hein. Là, le menu, il est même pas traduit en anglais ou quoi que ce soit. Hein. Et ça a l'air juste. C'est vraiment pas cher, hein. J'ai trouvé ça dans le frigidaire, là. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Waouh! Et franchement, je suis hyper surpris par ce village. Y'a personne! Y'a personne! Donc, on vit une vraie expérience. C'est la claque, quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct de Corée du Sud, plus exactement dans la ville de Gyeongju. Mais là, je suis au milieu de nulle part. Voilà, on commence la vidéo le long d'une autoroute, perdu quelque part ici en Corée du Sud. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Bah, je vais vous expliquer tout de suite, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de Corée du Sud tous les jours sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous avez loupé les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller les voir, puisque j'ai créé une playlist qui s'appelle Aventure en Corée. Puis dans l'onglet playlist, vous pouvez retrouver vraiment toutes mes aventures précédentes autour du monde. Et si vous appréciez, bah, comme d'habitude, pour m'encourager, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci du fond du cœur. Et à me rejoindre sur mon compte Instagram Ben&Co, parce que dessus je poste plein de contenus qui viennent compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors, je vous fais le topo très rapide. En vérité, je savais pas hier soir si j'allais rester voilà, une journée supplémentaire ici à Gyeongju, ou bien si j'allais partir ce matin. Et puis j'avais envie de dormir en fait ce matin, donc je me suis pas pris la tête. Voilà, en me réveillant, je suis parti voir le propriétaire de l'hôtel et j'ai réservé une nuit supplémentaire. Voilà, en mode détente. Et j'ai vu en fait sur internet qu'il y avait un petit village traditionnel à visiter. Alors c'est dans Gyeongju, mais c'est vraiment à l'extérieur du centre-ville, hein, de là où je suis, où il y a mon hôtel, etc. Et pour venir ici, c'est pas très compliqué. J'ai la chance d'avoir le terminal des bus à 3 minutes à pied de mon hôtel. Donc du coup, bon là il est déjà un peu tard, hein. Il est déjà 13h30. Quasiment 14h, mais je me suis dit c'est pas grave, on va prendre le bus et puis on va aller se diriger en direction donc de ce village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça va être la petite journée exploration tranquille aujourd'hui. Et en fait le bus que j'ai pris, alors on a mis franchement même pas une heure, ça m'a coûté 1300 won, un petit peu moins d'un euro. Et je vous ai dit, ici Google Maps ne fonctionne pas très bien en Corée du Sud. Alors j'ai lu la raison du pourquoi du comment sur internet. En fait, on a accès à une version limitée de Google Maps parce que le gouvernement a décidé tout simplement d'interdire aux groupes américains d'utiliser des cartes parce qu'elles permettraient de localiser des installations militaires sensibles. Bah oui, on est dans un pays qui est en guerre, hein. La Corée du Sud est toujours en guerre. Il y a eu un cessez-le-feu, mais la Corée du Sud est malheureusement toujours en guerre avec son voisin de la Corée du Nord. Donc c'est pour ça que, en fait, Google Maps est pas toujours précis. Des fois, il t'indique par exemple 1h30 de bus et en fait, tu mets que 50 minutes et t'as pas les itinéraires à pied, t'as que les itinéraires en transport. Donc c'est pour ça que j'utilise trois applications ici qui sont Google Maps, Naver, c'est une application coréenne je crois, et mon application de toujours que j'utilisais à l'ancienne quand j'avais pas de carte SIM dans mes premiers voyages, c'était Maps.me, c'est trop bien. Tu télécharges en fait la carte quand t'as un peu de wifi et après bah, ça t'indique tous les lieux et tout et c'est vachement bien.
Ça me permet de me repérer aussi parfois parce que ça m'affiche les distances à pied alors que Google Maps ne le fait pas. Donc voilà, écoutez, il me semble que le village est par là-bas. On y va tout de suite. Annyeonghaseyo, Yeongdong. 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 Hamsamida. Voilà, c'est pas difficile. Hein. On demande aux gens et on est toujours bien aidé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, le loyer a augmenté dans mon hôtel. Hein, puisque ici, le week-end, ça doit être sûrement très touristique, hein, puisque c'est très joli, Gyeongju. Vous avez vu, il y a plein de choses à voir, à faire et à découvrir. Donc du coup, le personnel de l'hôtel, qui est sûrement le gérant, peut-être le patron, m'a dit, écoute, on est vendredi. Donc ce sera pas 25 euros. Comme tu as payé hier et avant-hier, ce sera 35 euros. Voilà. Donc je vous le dis au cas où. Ici, les prix augmentent le week-end. Mais bon, c'est aussi l'avantage et la liberté de se dire je voyage au jour le jour sans me prendre la tête, je réserve rien. Et puis voilà, si j'ai envie de rester une nuit supplémentaire, je reste une nuit supplémentaire. Si je n'ai pas envie, je m'en vais tout simplement. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hésitation. Je me disais, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Vous avez vu, The World Heritage Historic Village of Korea, Yeongdong. Voilà. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait ce beau petit village, qui était pas très loin, je me suis dit, on peut pas louper ça quand même. Ce serait dommage, comme on est à côté. Alors, le village n'est pas gratuit. Hein. Ça coûte 4000 won, ça fait à peu près 2,80€, grosso modo, voilà. Donc je viens de prendre le ticket pour pouvoir y accéder. Ah, c'est trop stylé, regardez, il y a une petite école primaire là, à l'entrée du village. Vous voyez, avec un beau terrain de foot. On y a un très très beau terrain de foot là, où les gamins ils sont en train de jouer tranquillement. On y a Et voilà, l'exploration du village de Yeongdong commence ici. Donc voilà, il y a un petit café, avec sûrement un petit resto, sympa, pour venir se restaurer. C'est agréable, hein? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde aujourd'hui. Hi. Hi. On est plongé direct dans l'ambiance, hein. Regardez là, ces petites maisons avec les toits en paille. Ça me fait penser un petit peu quand j'étais à Shirakawa-go au Japon, pas loin de Takayama dans les Alpes japonaises, avec les fameuses maisons en toit de chaume. Oh, c'est cool parce que ça a l'air d'être en pleine nature. Bon alors d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est qu'il y a toujours une partie du village qui est habitée par des habitants et qu'on ne peut pas accéder pour éviter justement de les enquiquiner. Et il y a une partie non habitée avec des maisons un petit peu comme une sorte de musée à ciel ouvert quoi. On va découvrir ça ensemble. Comme je dis toujours, vous êtes mon troisième œil dans ces explorations quotidiennes. Vous voilà en mode troisième œil. C'est ça pour moi le mode troisième œil. C'est-à-dire que vous êtes au niveau de mon visage et vous découvrez comme moi les choses. Si je tourne à gauche, paf, petite vue qualitative là, sur la campagne coréenne, la montagne qui entoure le village. Et si je me mets par ici, on voit des petites maisons là en face. J'adore ce mode troisième œil, je sais pas ce que vous en pensez, c'est mon préféré. Regardez là, on est perché dans les hauteurs du village. Je vous fais une petite vue en 180 pour que vous puissiez apprécier comme moi la beauté de ce village pittoresque. Vous voyez, ça je pense que c'est une maison qui est tout simplement encore habitée et ça se voit. Parce que c'est à l'air assez entretenu. Là, il y a une petite machine là, comme une sorte de mini tracteur. Ça sent bon, ça sent le bois. On n'a pas que des maisons traditionnelles. Ici, la typique de ce village avec des toits en paille. Hein. On a aussi, regardez, les fameux hanok. On les reconnaît parce que ils ont une toiture très particulière. Hein. Ce sont les maisons typiques coréennes. D'ailleurs, on avait fait un village très sympa au sein même de Séoul,
qui s'appelait le Bukchon Anok Village. Avec plein de Anok. Et ça aussi, je pense que c'est tout simplement une maison qui est encore habitée. Puis là, j'ai l'impression qu'on a un monsieur qui travaille la paille pour construire une sorte voilà, de petit chemin. C'est joli. Annyeonghaseyo. Ah, il est concentré, hein. Regardez. Il fait des nattes avec ses mains. Waouh, ça a dû lui prendre... Annyeonghaseyo. Ça a dû lui prendre beaucoup de temps pour faire tout ça, hein, la vache. Ouais, c'est fait à la main, hein. Si vous vous posiez la question, hein, non, c'est pas fait par des machines. Hamsamida. Donc voici le avant-après. La paille, la construction là, de la petite haie, et ensuite, paf! Voilà, on vient la poser sur la pierre. Voici le résultat. Magnifique, hein, n'est-ce pas? Comment c'est hyper calme, c'est hyper chill. J'ai pas l'impression en fait qu'on puisse pas accéder tout simplement aux maisons qui sont habitées par des villageois, hein, puisque j'ai croisé 2-3 monsieur déjà. Vous voyez, je vois des voitures qui sont garées, donc ça veut dire que logiquement il y a des personnes qui vivent là. Il y a des champs qui sont voilà qui sont cultivés là. Je vois des petites salades. En fait, non. Ça fait pas juste village touristique en reconstitution ou quoi que ce soit. Pas du tout. Hein. On peut accéder aux parties qui sont habitées par les villageois. C'est un petit havre de paix. Hein. C'est très grand. Hein. On peut partir là, faire une balade en pleine nature. Je sais même pas où aller. En fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une sorte de petite démarcation du type zone non touristique avec la partie des maisons habitées, les villageois, etc. Puis la partie touristique avec les maisons inhabitées. Mais non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est plutôt chouette. Parce que ça veut dire que concrètement, on peut rencontrer des gens qui vivent ici sans venir les enquiquiner. Hein. Le but, c'est pas de rentrer chez eux et de les embêter. Mais voilà, oh, c'est plutôt chouette, hein. C'est fou qu'il y ait personne comme ça pour un village aussi populaire. En plus, le jour où je tourne cette vidéo, on est quand même vendredi. Ouais, puis bon, on est quand même en Corée, quoi. C'est un pays touristique. Donc peut-être que le week-end, il y a plus de monde, il y a peut-être plus de Coréens. Bon, écoutez, on va pas se plaindre, hein. J'ai le village quasiment pour moi tout seul, alors ça c'est quand même un gros avantage. Et en plus il fait super bon, il fait doux aujourd'hui, il fait pas froid, trop bien. Il y a même des petits bancs là qui sont prévus pour venir se poser, admirer la vue, le village. Ah, je suis vraiment agréablement surpris, hein. Je m'attendais pas du tout à tomber sur un village comme ça. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un petit peu plus touristique, mais non, c'est vraiment sympa. Ça fait partie des maisons inhabitées, si on peut appeler ça des maisons musées, quoi. Et elle a appartenu, en fait, à un monsieur qui a fait partie de l'armée civile et qui a combattu contre l'armée japonaise. Et donc, la maison a été construite en 1616, elle s'appelle la Sujuldong House. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est écrit juste à côté de moi. Bon, on va faire attention à nous parce qu'il y a un chien derrière cette porte qui n'a pas l'air très content, mais je trouvais ça très drôle. Regardez, quand la modernité rencontre l'ancien.
On dirait une sorte, vous savez, de digicode là pour ouvrir les portes. Je sais pas si c'est ça, mais je trouve ça très drôle. Sur une vieille porte en bois comme ça. Oui, je m'en vais. Je t'embête pas. Eh ben, dis donc. Il faisait bien son travail de protéger la maison, hein. Il m'a repéré direct. Franchement, la balade est fantastique, hein. J'ai beau me répéter, mais c'est hyper agréable. Bon, par contre, comme vous pouvez le percevoir, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parfois, c'est un peu plat. Mais en même temps, regardez, on est entouré de montagnes, hein. Voilà, le bruit de la nature, le chant des oiseaux. Super, super agréable. Ça change des grandes villes, hein. Ça fait du bien, là, de se sentir un peu dans la campagne coréenne. En fait, c'est tellement calme. Et il y a tellement personne, quoi. Hein. J'ai dû croiser peut-être 3 personnes. Oh, regardez le vieux puits. Il y a toujours de l'eau, hein. Que j'ai l'impression que, limite, c'est un village abandonné, quoi. Petite connexion satellite, hop. Tu regardes les matchs de foot du dimanche soir, les classicos. En tout cas, les maisons sont vraiment, vraiment belles. Hein. Je comprends mieux pourquoi le village est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Amzamida, bye bye. Bon alors là c'est drôle parce que j'ai vu un véhicule passer. On aurait dit un monsieur qui faisait sûrement des constructions, voilà, de l'entretien, quelque chose comme ça, parce qu'il avait du matériel à l'arrière de son véhicule. Et juste par curiosité, j'ai tendu mon pouce comme ça, il s'est arrêté. Et il a dû me dire en coréen, tu veux aller où? Je lui ai dit, bon je sais pas, peu importe, là, par là-bas. Et il m'a dit, ok, monte. Mais il m'a fait comprendre qu'il allait pas très loin. Effectivement, je l'ai vu là, voilà. Il s'est arrêté juste là, mais il a dû faire peut-être, voilà, 200, 300 mètres. Mais je trouvais l'expérience drôle, et voilà. C'est ça aussi le mode quand les produits tout peut arriver. C'est dommage que parfois, bon, il y a la barrière de la langue. Mais c'est comme ça qu'on se sent aussi dépaysé, j'ai envie de dire. Parce que des fois, c'est, voilà, j'aimerais bien avoir quelques conversations. Qu'est-ce que vous faites ici, etc. Sans forcément utiliser Google Traduction tout le temps, mais bon. Ça fait partie du jeu. Donc, il m'a déposé là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, visiblement. C'est peut-être, je sais pas, une maison touristique. On va aller voir ça. Et un truc que je kiffe aussi, c'est que bah, tout à l'heure, on était là-bas. J'ai descendu là, paf. J'ai rencontré le monsieur, il m'a pris, voilà. Mais à chaque fois qu'on atteint certains niveaux, et ben en fait, on a de jolies vues là sur les maisons, etc. Oui, vous voyez, là, c'est écrit... Interdit de prendre des photos, interdit de filmer. Ah, je sais pas si c'est écrit interdit de filmer, hein. Je sais pas lire le coréen. Mais visiblement, ça a l'air d'être un endroit touristique. Je vous montre quand même vite fait parce que ce serait dommage de pas pouvoir vous montrer. Je sais pas du tout, voilà. Où est-ce qu'on est, mais là, dans cet endroit, on peut rentrer. Et ça fait partie, voilà, je pense des... Et voilà, cultural heritage, des maisons un peu musées, si je peux appeler ça comme ça. On peut découvrir. Oh, je suis un vrai thug, hein, par contre, hein. Il écrit pas filmé, mais je vous régale quand même. Bon, ça va, y a personne, j'embête personne. On est d'accord, j'embête personne là. Alors là, il y a un petit passage et il y a comme l'entrée d'un temple en fait. Ça me fait penser au temple de Bulguksa hier. C'est voilà, les mêmes couleurs. On dirait vraiment une entrée de temple. Alors on pourra pas aller plus loin, hein. Et puis il y a écrit ne pas toucher, donc on va pas toucher, mais je vois derrière, voilà, ça fait comme une sorte de petit temple, le bâtiment, je sais pas trop. Voli voilou. Bon bah, on est reparti.
Ok, trop stylé, je viens de voir ça. Contact Airbnb for reservation. Donc ça veut dire grosso modo que tu peux te louer une petite maison traditionnelle pour venir te reposer, voilà, une nuit, deux nuits ici sur place dans le village de Yongdong, et puis te réveiller avec ce magnifique cadre de vue, cette douceur, cette fraîcheur, mais aussi, tu vois, cette légèreté là de paysage comme ça, ce calme, cette sérénité. C'est fou, hein? Ça doit être vraiment hyper agréable, un, déjà de dormir dans une maison typique et traditionnelle coréenne, et deux, de se réveiller comme ça, en plein milieu, ben, d'un village de la campagne, quoi. C'est fou de se dire que même ici, dans la campagne coréenne, dans un tout petit village, eh ben t'as quand même des distributeurs de boissons, un peu comme au Japon, voilà. Alors je sais pas si c'est pour les habitants ou pour les touristes, peut-être voilà, pour les habitants, hein. T'as envie d'une petite, voilà, une petite boisson, si t'as pas envie d'aller prendre ta voiture et aller à l'épicerie du coin, bah bim, c'est fou, hein. Alors ça c'est très très drôle aussi, regardez, quand la modernité rencontre l'ancien. On a les modems là qui sont posés sur des vieux meubles en bois, quoi. C'est fou. Alors là, franchement, je m'attendais pas du tout à tomber sur un restaurant typique et traditionnel coréen tenu par des villageois en fait. Regardez, on est au cœur du peuple. Hein. On a madame là qui prépare des petits sachets là, elle décortique des cacahuètes depuis tout à l'heure. Et on est dans une sorte de ferme en fait. Voilà, j'ai repéré juste une affiche à l'extérieur, il y avait comme de la food dessus. Et ensuite, bah, je suis rentré, j'ai demandé restaurant, elle m'a dit yes. Enfin, elle m'a pas dit yes parce qu'en vérité, elle parle pas anglais. Mais j'ai compris que c'était oui. Et d'ailleurs, on peut pas être plus en Corée qu'en Corée. Hein. C'est-à-dire que là, le menu, il est même pas traduit en anglais ou quoi que ce soit. Hein. J'ai dû utiliser, pour le coup, bah, Google pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle avait au menu. Et elle propose du bulgogi beef. Et ça tombe bien parce que c'est un plat que j'ai pas encore goûté. Donc ça fait trop plaisir. Là, c'est une sorte, voilà, de marmite avec... des légumes, du bœuf, et ça a l'air juste délicieux. Et maintenant, je pense que, voilà, après ces quelques jours en Corée, vous commencez un petit peu à avoir l'habitude des fameuses tables coréennes, c'est-à-dire que quand tu prends un plat, bah t'as toujours tous les petits accompagnements là qui viennent avec. Voilà, donc plein de petites salades. Alors elle avait pas que ça à la carte, hein. Elle avait d'autres choses qui ont été traduites qui me donnaient envie. Il y avait écrit crêpe, enfin, je sais pas qu'est-ce que c'était. Il y avait aussi les fameux pancakes coréens, je crois. Voilà, donc ça vaut 13 000 won, là, tout ça, là, tout ce que j'ai, 13 000 won, c'est vraiment pas cher, hein. Ça fait 9 euros pour être posé comme ça, tranquille, au cœur du village, tout seul. Et franchement, je suis hyper surpris par ce village, parce que quand j'ai payé l'entrée, en fait, pour accéder dans le village, je m'attendais à ce que ce soit touristique, en réalité. Mais il n'y a personne, il n'y a personne, c'est fou. Donc on vit une vraie expérience avec des locaux, et c'est juste fantastique. Bon, on va déguster, hein, parce que j'ai rien mangé aujourd'hui, mis à part avant de partir, là, j'ai pris 2-3 petits trucs dans un combini avec un petit café, mais c'est mon premier vrai repas, et il est 16h14. Voilà, comme d'habitude, hein, on change pas. Mais comme je dis toujours, en voyage, il n'y a pas d'heure pour manger. On mange quand on a faim, on se lève quand on a envie de se lever, surtout quand on fait des vidéos au quotidien, voilà, on se prend pas la tête. Ah oui, j'ai pris ça aussi, ça me tenait envie, j'ai trouvé ça dans le frigidaire là, je sais pas qu'est-ce que c'était. On dirait une sorte de boisson, voilà, à base de riz. On dirait du riz là qui a fermenté dans de l'eau. Elle m'a fait comprendre que oui, c'était donc un jus de riz. Bon, on va tester ça, ça vaut 3000 won, ça fait à peu près 2 euros. Waouh, c'est la bonne surprise, hein. Very good.
Je sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de goûter, vous savez, du lait, mais à base de riz. Souvent, il y a des boissons, par exemple, comme les boissons d'avoine, etc. Ils font la même chose. Et ben, au goût, ça me fait exactement penser à ça. Sauf que c'est beaucoup plus liquide, c'est moins épais que du lait de riz. Et en fait, ça a un petit goût sucré. C'est très très bon, c'est rafraîchissant. Allez, je valide. Hein. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse manger les grains de riz après, mais c'est super bon. C'est un petit goût sucré, c'est pas de l'alcool. Hein. Alors peut-être que si on, on laisse la bouteille comme ça fermenter pendant un an, ça deviendra de l'alcool de riz, mais là, non, c'est pas de l'alcool. Bah, bon appétit, hein. Je sais pas comment dire en coréen, encore une fois, j'ai pas demandé. Faudrait que je demande à des coréens, d'ailleurs, si ça se dit bon appétit ici, hein. Un petit peu à l'image de, voilà, du Japon, quand on dit itatakimasu. Alors, itatakimasu, c'est pas vraiment de bon appétit, c'est plus, voilà, profite de cette nourriture, fais honneur à cette nourriture. Franchement, je suis trop content d'avoir atterri dans cet endroit. Hein. Ça, c'est le vrai mode quand un prévu tout peut arriver. Comme quoi, je me suis décidé ce matin pour venir ici et je ne regrette absolument pas. Allez, qu'est-ce donc ? Tous les jours, je découvre des petits trucs, moi. Alors, oups. Alors ça, est-ce que c'est du bambou ? Ou est-ce que c'est... Non, ça, pour moi, c'est du navet mariné. C'est très bon. On dirait des petits haricots. Non, pas du tout, c'est pas des petits haricots. C'est des tiges, mais de quoi? I don't know. On a toujours le kimchi, hein. C'est la base de la base de la base ici. On a des sortes de petits pousses de soja en salade. Là, on a des sortes comme des... Voilà, de la petite friture de poisson. J'adore, moi, tous ces petits accompagnements comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Ça permet, voilà, d'avoir une petite entrée. Alors je découvre, hein, je connais vraiment pas tous ces plats. Hein. Bon, j'en ai goûté une partie hier soir, d'ailleurs, dans un très beau resto. Je vous conseille de regarder l'épisode d'hier, qui était vraiment très sympa. Mais pour le reste, hein, je sais vraiment pas ce que c'est tous ces petits plats à base de feuilles. On dirait comme des feuilles d'épinards. Ça, normalement, c'est des algues marinées, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être que je dis des bêtises et je m'en excuse. En tout cas, ça a l'air bon. C'est archi bon. En fait, il y a une sorte de petite sauce sucrée salée. Waouh! Elle est trop bonne cette salade. À l'attaque, maintenant je veux goûter mon bulgogi. Ça fait trop plaisir parce que ces derniers jours, j'ai vraiment découvert plein de petits plats coréens différents. J'ai vraiment pas mangé la même chose pour le coup. Eh mais ça a l'air hyper bon puis surtout hyper sain. Hein. Regardez. Il y a donc du bœuf, des légumes, je vois des nouilles à l'intérieur. On va juste goûter déjà comme ça. Même si j'imagine bien que ça se mange pas à la louche. C'est bon. Ce sont de fins morceaux de bœuf. Voilà, dans une sorte de bouillon avec plein de légumes. La nourriture coréenne est vraiment très saine. Hein. Si on prend même, par exemple... Le premier plat que j'ai mangé le premier jour à Séoul, le bibimbap, c'est hyper sain. Hein. C'est des légumes, du riz, et normalement dans certains il y a de la viande, mais moi dans le premier que j'ai mangé il n'y avait pas de viande, je sais pas pourquoi. Puis c'est hyper agréable parce que c'est vraiment local, c'est frais, fait maison, même la boisson vous voyez, c'est pas de la boisson industrielle, c'est fait maison quoi. 9 euros c'est vraiment pas cher hein, pour manger des plats frais, fait maison. Franchement c'est fou parce que l'endroit il paye pas de mine. Hein. Tu passes devant, tu te dis, ah ouais, c'est joli, une petite maison traditionnelle et tout. S'il n'y avait pas l'affiche, avec, voilà, comme un plat, alors je sais pas qu'est-ce que c'est, on dirait du pâté en croûte. S'il n'y avait pas eu cette affiche, j'aurais peut-être pas fait attention, ça se trouve. Voilà, donc là, du bœuf, des légumes, des nouilles. C'est une vraie petite pépite, hein, ce village. C'est vraiment la bonne découverte du jour et je me dis, bah finalement, j'ai bien fait de rester une journée supplémentaire. Et d'écouter mon instinct de voyageur et d'écouter aussi mon corps parce que j'étais vraiment fatigué hier donc du coup là le fait de rester dormir un peu plus longtemps ce matin et prendre mon temps et de rester voilà justement une journée et une nuit supplémentaire bah ça c'est cool c'est aussi ça le voyage c'est vraiment prendre son temps alors ici c'est un restaurant mais pas que j'ai l'impression. Je pense que les gens
qui vivent ici, bah, ce sont des fermiers, donc ils vivent voilà, de l'agriculture, de ce qu'ils récoltent sûrement. Puis c'est pour ça que je vois madame là en train de préparer des cacahuètes. Voilà, il y a comme du miel en face. Ils vivent sûrement d'agriculture, d'apiculture, etc. Ce sont des fermiers, hein. Alors à ma grande surprise, oui, le riz qui est à l'intérieur, tu peux le manger en fait, il est tout mou. Je pensais qu'il était dur, mais pas du tout. Bah donc, ça plus un repas, ça cale, hein. C'est une boisson non seulement qui rafraîchit, mais en plus elle te rassasie. Je suis intrigué de savoir si le sucre est rajouté ou s'il est produit naturellement à force bah voilà, de fermenter comme ça, je sais pas. C'est bon en tout cas, c'est le principal. Et voilà, de retour à Gyeongju City Center. Alors je suis pas rentré tout de suite à mon hôtel parce qu'en fait, hier soir, je regardais Google Maps par curiosité. Et en fait, j'ai vu que à quoi 5-10 minutes grand maximum de mon hôtel, il y avait un night market, donc un marché de nuit. En ICO, on dirait des algues. Donc du coup, plutôt que d'aller au terminal des bus, je me suis dit bah tiens, on va s'arrêter 2-3 stations avant, puis on va aller faire un petit tour au marché. Voilà. Moi, c'est cool. Je vais pouvoir m'acheter quelques clémentines tout à l'heure. Et d'ailleurs, je viens de taper un sprint, mais phénoménal, parce que j'avais oublié mon bonnet dans le bus. Et heureusement, il s'est arrêté peut-être 200 mètres plus loin, à un feu rouge. Et j'ai couru là toute l'avenue pour aller toquer à la porte du bus. Pour pouvoir récupérer mon bonnet, ça aurait été dommage de le perdre parce que bon, j'en ai qu'un seul. Bon, vous me direz, on n'est pas non plus paumé. Oh, des crevettes. J'aurais pu en racheter un, mais bon, j'aime bien celui-ci. Donc le marché de nuit s'appelle Jonggong Night Market. Voilà, donc je suppose qu'il y a sûrement une partie extérieure puis une partie couverte. Hein. Ça fait comme des halles. Et je peux vous dire que Google Maps nous ment sur les itinéraires hein, parce que ils annoncent environ 1h20 pour revenir dans le centre-ville de Gyeongju et en fait on a mis 40 minutes puisqu'il est parti à 17h et là il est 17h40. Voilà, oh, c'est drôle. Je crois que j'en ai déjà goûté ça, c'est comme du maïs soufflé. On y a assez haut. Ah oui, je crois que j'en ai goûté dans un autre marché. Ouais, c'était à Séoul. Bon, là j'ai plus faim, par contre. C'est très bon. C'est pas trop sucré et tout, c'est super bon. On dirait un peu du pop-corn. Mais oui, j'en avais mangé à Séoul, dans le marché qu'on avait fait ensemble. Mais là, le truc, c'est que je suis calé, quoi. Le repas, vraiment, il m'a mis bien. Il y avait de quoi faire et tout, avec tous les petits accompagnements. Et puis là, j'ai l'impression que c'est le coin de la street food, hein, vous voyez. Il y a plein de petits stands. Oh, c'est drôle. On dirait qu'elle fait des petites crêpes. J'ai pas l'impression d'avoir goûté ça encore. On y a assez au... Ils aiment beaucoup hein, les marchés ici en Corée avec les street food très traditionnels. Toujours plein de street food dans les marchés. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait ouvert hein, puisque c'est un night market. Hein. C'est bien spécial. Ouh, ça sent la saucisse. On est assez haut. Vous pouvez pas le sentir, vous pouvez que le voir, mais moi je peux le dire, je sens, il y a une forte odeur de saucisse. Oui, du coup, je pense que ça doit être très très vivant à partir de 19h, 20h. Sûrement un petit peu plus de monde qui, ben voilà, qui doit se rendre au marché pour venir déguster. Là c'est la préparation là encore, vous voyez hein. On est assez haut. De toute façon je n'ai plus faim du tout. Je suis rassasié. On est assez haut. Et ça peut pas être plus frais que frais hein. Comme je dis toujours, c'est ça qui est bien dans les street food. Tu vois, t'as les stands de fruits et légumes, t'as le boucher pas loin, t'as le poissonnier, puis là t'as les vendeurs. Ah oh oui hein, c'est un beau marché hein.
Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand, mais... Non, non, non. Il y a de quoi faire, hein. Niveau bouffe, là... des gimbap. Yam. C'est ça qu'on m'a mis sur mes gimbap, je crois, la dernière fois. On est assez haut. C'est spicy. Fish. Ah bon? Fish. Ah bah alors c'est peut-être pas ça. Hamzamida. Ah, le spicy là, le piment de Corée. Ouh là 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 là. Voilà, le poisson frais. Là, c'est la poissonnerie. Voilà, elle est là. La vraie vie coréenne. J'aime bien, moi, vadrouiller dans les marchés, voir un peu la vraie vie, comme je dis, sans filtre et sans chichi. Oh, on dirait qu'ils font sécher du poisson. C'est peut-être ça, après, qu'ils découpent en petits morceaux, là, pour nous mettre dans les... Vous savez, dans les petits plats, là, qu'on sert, comme j'ai eu ce midi, comme j'ai eu hier soir. Dans les sortes de petits apéritifs coréens, là. Les petites mises en bouche. Ça, ça ressemble à des mochi. On a madame qui est en train de cuisiner quelque chose. On est assez haut. Kimchi? Non. Ah. Ok. Ça sent bon en tout cas. Hamsamida. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Super. Et puis là, c'est le coin vêtements, visiblement. Bah, là aussi, le coin vêtements. Ah, j'aurais pu racheter un bonnet, là. Je vois plein de bonnets, des chapeaux. Je vois le chapeau du détective. Voilà, je pense que si j'avais perdu mon bonnet dans le bus, je me serais acheté le chapeau de l'inspecteur Enko. Eh, il est pas mal, franchement. Vous en pensez quoi? J'aime bien, ça donne un style un peu à la Indiana Jones. Walker Texas Rangers. Franchement, c'est vrai que ça s'est perdu, les chapeaux comme ça. Moi, ça me fait penser un peu à mon grand-père qui avait tout le temps un chapeau. Mais je trouve que c'est très élégant, un beau chapeau. Mais bon, le truc, c'est que ça couvre pas les oreilles, par contre. Hein. Voilà. C'est dommage. À l'inverse du bonnet. Bon, voilà, c'est cool. C'est un beau petit marché. Au moins, vous savez que si un jour vous êtes de passage dans cette partie... de la Corée du Sud, et ben il y a un beau village à visiter. Voilà, à peine 40 minutes en bus du centre-ville de Gyeongju et un beau marché où venir manger de la street food coréenne. Magnifique, regardez-moi ces couleurs de fin de journée. Et c'est fou parce que on a exploré la ville pendant 2 jours et j'avais pas vu cet endroit. Alors j'avais vu hein, des tumulus, ces gros tas de terre qui sont en fait des tombes royales. Hein. Voilà, ça recouvre des tombes royales, mais j'avais pas vu cet endroit. Et c'est fantastique. Alors c'est vrai que si on le sait pas, on peut passer à côté, se dire tiens c'est étrange, c'est quoi ces petites collines. Mais voilà, maintenant vous le savez comme moi. Ce sont donc des tombes royales. Et puis alors là, avec les couleurs de fin de journée, c'est fantastique. Merci.
Et ben voilà, de retour, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai passé vraiment une super journée. Oh là là, le bonnet ça décoiffe, laisse tomber, ça te fait vraiment la coupe coréenne. Non franchement, waouh, le village, une vraie petite pépite, hein. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ce type de village. Alors j'avais vu des photos, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit très touristique. Je m'attendais pas du tout en fait que ce soit aussi vite quoi et que je me retrouve qu'avec les locaux. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment une super journée, j'ai trop kiffé et j'espère vraiment que vous l'avez tout autant apprécié. C'était une belle exploration, une belle découverte. C'est des journées comme je les aime, voilà. On se prend pas la tête, on se dit tiens, on va visiter un endroit, on va voir ce que ça donne. Et puis là c'était la bonne surprise. Donc trop cool. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. Et moi je vous donne rendez-vous demain en direct de Corée du Sud. Mais demain je quitte Yongju, et je sais déjà où je vais. Pourquoi ? Parce que ça y est, j'ai réservé mon ticket. Oui, en fait, il y a la gare des bus juste à côté, et je sais que je vais y aller en bus, mais je ne vous dis pas où. Je vous dis simplement, restez bien connectés. Rendez-vous demain. Alors, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci beaucoup, à demain. Ciao.